مشتركي سابورانات باش نصلح لكم اوتر اكزرسيس على ديبول دونك ريسيبتور اكتيف بيان سور زيد نعاود انه راهو في دي كيستيون على ديبول ريسيبتور باسيف فوالا دونك لهنا باش نقرا لكم الاكزرسيس تحاولوا فيه وحدكم بيان سور تكونوا تفرجتوا في الفيديو نتاع الريزومي والفيديو دو سيري نيميرو 1 وتحاولوا في الاكزرسيس وحدكم بعديك تابعوا معايا الكوليكسيون. Donc, on réalise le montage séquentre. On donne pour une première position du curseur de rheostat une résistance R1. Donc, le rheostat, quand tu vois tout dans la classe, le rheostat, c'est un dipôle. La résistance est variable. Et vous pouvez vous dire que vous avez un dipôle. نجمو تبدلوها دونك عنده لهنا كيفاش تبدلو لا ريزيستونس دونك فما كورسور وتبدلو بيه الريزيستونس فوالا دونك البوزيسيون الاولانيه الى فيكسي لا ريزيستونس سور اون فالور ار1 دونك لو فولت متر انديك U1 ايغال 5,6 فولت et l'ampèremètre indique I1 égale 0,2 ampères. Voilà, donc ça c'est l'ampèremètre et ça c'est le voltmètre. À 5,6 volts, indique c'est la tension aux bornes du moteur. Allez, le voltmètre est branché en dérivation avec le moteur. Voilà. Pour une deuxième position du curseur de rheostat, bien sûr, badel le curseur. Puis valeur R2. Le voltmètre indique U2 égale à 6,5 volts et l'ampèremètre indique U2 égale à 0,5 ampères. Là, nous, la valeur de la résistance de Paddle, le voltmètre est une tension jdide et l'ampèremètre est une intensité jdide. Déterminer la résistance interne du moteur, écrire la loi d'Ohm relative à un moteur, en déduire la force contre-électromotrice de ce moteur. Représenter la caractéristique UM en fonction du I du moteur en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 0,1 ampère et 1 cm pour 1 volt. Donc l'aîné, atteignez l'échelle. Vérifier graphiquement la valeur de la force contre-électromotrice E' du moteur. Déterminer enfin les valeurs des résistances R1 et R2 du rheostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur UG égale 12 volts. Voilà. هذا هو الاكزارسيس دونك انا باش نبدا نصلح لكم فيه بيان سور انتم تحطوا بوز وتخدموا وحدكم دونك اول حاجه ديتيرميني لا ريزيستونس انترن دو موتور دونك لهنا اكوا تيغال لا ريزيستونس انترن دو نوتر موتور دونك ار بريم ايغال U2 موان U1 سور دونك I2 موان I1 فوالا دونك سا سي 6,5 موان 5,6 سور 0,5 moins 0,2, c'est-à-dire 0,9 sur 0,3 qui est égal à 3 ohms. Voilà. Donc, on a dit la formule. Bien sûr, à l'aide de la loi ohm relative à un moteur. On a la question 2, mais normalement, on a la donc, loi d'ohm relative à un moteur, je n'ai pas UM égale E prime plus R prime I. Hakoule, mais à la chanon l'arvo. L'arvo, une UM tête badel. À la chate, l'U2 ou l'U1, donc c'est la tension aux bornes du moteur. Donc, pour I égale à I1, qui est égal à 0,2 ampères, on dit UM égale à U1 égale à 5,6 volts. C'est-à-dire, l'année, 5,6 égale E prime plus R prime fois 0,2. À la khater, le E prime ou le R prime, mettre à rouge lié, ce sont des caractéristiques de notre dipôle. Voilà. Et pour I égale I2, qui est égal à 0,5 ampères, l'aîné U2, bien UM égale à U2, égale à 6,5 volts. C'est-à-dire 6,5 égale à E prime plus R prime fois 0,5. Voilà. Donc, on a deux équations. Il y a l'équation Lulani ou il y a l'équation Thénie. Donc, elle a choisi 2 moins 1. C'est-à-dire 6,5 moins 5,6 égale E prime plus 0,2 R prime moins E prime moins 0,5 R prime. Voilà, je peux simplifier par E prime. Donc, les gens pstartini, donc, pardon, 2 moins 1, c'est-à-dire 0,5, les gens moins 0,2. Donc, pstartini R prime fois 0,5 moins 0,2, c'est-à-dire les gens 0,3 R prime.
Donc, on peut déterminer R' égale 6,5 moins 5,6, c'est-à-dire 0,9 sur 0,3. On trouve 3 hommes. Voilà, donc elle est Niget formule interne. Ok? La question 3. 3, voilà, en déduire la force contre-électromotrice de notre moteur. Donc là, on a une E égale E' plus R' fois I. Donc déjà, on a R'. Donc on a deux valeurs de UM. Donc là, je vais dire où est la valeur l'une ou la valeur l'autre. Là, on a l'équation ici ou l'équation ici. Et là, je vais dire que nous avons la même valeur de E'. Donc l'équation H, on a 5,6 égale E' plus R'. R', tu as 3, donc 3 fois 0,2. On trouve E' égale à 5,6. Donc, l'année, moins 3,02, c'est-à-dire moins 0,6. On trouve 5 volts. L'équation 2, je n'en plus tard, l'équation 2, 6,5 égale E' plus 3 fois 0,5, c'est-à-dire l'année. E' égale à 6,5, donc moins l'année 3 fois 0,5 moins 1,5. On trouve 5 volts. Voilà. Donc la force contre-électromotrice de notre moteur, c'est 5 volts. C'est-à-dire l'année UM égale à 5 plus donc la résistance interne 3, 3I. Voilà, donc ça c'est la loi d'Ohm relative à notre dipôle. Moteur, dépôle, l'aîné, récepteur actif. Voilà. Tada, les questions les bada. Donc, représenter la caractéristique UM en fonction de I du moteur en utilisant l'échelle suivante. Déjà, on a notre loi. Donc, la caractéristique UM en fonction de I, c'est-à-dire qu'on va tracer, on va tracer 5 plus 3i dans un repère. Donc, atteint bien sûr l'échelle. Voilà. Donc l'échelle interne donnée, donc on va respecter donc les données de l'exercice U en V et I bien sûr en ampères. Donc atteint 1 cm 0,1 ampères et 1 cm 1 volt. Donc l'année bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là je me la radique. Donc 1, 2, 3. Ou l'année 0, 1. Donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etc. Donc, j'ai l'énergie de l'échelle interne. Je vais commencer par l'échelle interne à 100%. Je vais prendre notre Kemel. Alors, je vais voir. La physique, c'est vrai, ou interprétation ou des équations, etc. Mais c'est un niveau où on a fait ou donc qui te caractéristique traçage d'un courbe la courbe fille c'est vrai fille partie ou fille partie échelle ou fille z titre ok donc l'année qu'est-ce que je veux les caractéristiques madame l'exercice atteint deux valeurs ou l'exercice atteint UM égale à 5,6 volts I M, donc bien après I1, je me souviens, il y a 0,2 ampères. Et le point le point A, je me souviens, on atteint le point B. Donc UM égale 6,5 volts. On dit I2 égale donc l'année 0,5 ampères. Voilà, tout simplement. Puis j'ai une fois 5,602. Donc l'année c'est 5. Et on dit 5,6. Donc j'ai une sorte de 0,2. Voilà, bien sûr, tout le monde a le sas. Il y a 5,6, donc ça c'est 5,5 et 5,6. Voilà. Et il y a le point le il y a le point A. Le point B a dit 6,5, donc il y a 0,5, puis j'ai un certain 0,5. Voilà. Il y a 6,5, ça c'est 6,5. Voilà, et il y a le point B. C'est deux points. Donc, l'année, et on va tracer la caractéristique interne. OK? Voilà. Donc, l'année, la question, c'est déduire enfin
Voilà, donc vérifier graphiquement la valeur de la force contre-électromotrice E'. Donc, film, je connais la valeur de E', ça c'est E'. Ça c'est E' et l'ordonnée à l'origine. Je n'ai E'. UM égale E' plus R'I. Donc, pour I égale 0 ampère, UM égale E', c'est-à-dire 0 ampère à Walené. Donc déjà, le E', ça c'est l'ordonnée à l'origine. Naqra'atoul, c'est 5 volts. Et on a vérifié la valeur, donc l'année d'après la courbe, E' égale 5 volts. Voilà. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est UM égale E' pour I égale à 0 ampère, tout simplement. Okay? Les questions, déterminer enfin les valeurs des résistances R1 et R2 du rhéostat dans cette expérience, étant donné que la tension du générateur garde la même valeur UG égale à 12 volts. Donc, comment déterminer la valeur du rhéostat? Bien sûr, on applique la loi des mailles. Le circuit interne. Donc ça c'est I. Bien sûr ça c'est UG. Donc ça c'est UR, H et ça c'est UM. Donc UG moins UR moins UM égale à 0. Voilà. On applique la loi des mailles. Donc UG moins U. RH moins UM égale 0, ce qui donne URH égale UG moins UM. Donc, où est-ce RH, donc l'année d'après la loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique, URH égale RH fois I. Donc, elle a bien sûr, pour I1 égale 0,2 ampères, ça nous donne RH fois I1 égale donc UG moins UM, c'est-à-dire l'année RH égale UG moins UM sur I1. UG a tiré, elle est 12 volts. Donc, UM pour I1 égale à 0,2. Donc, UM, l'énergie, 5,6 volts. Donc, moins 5,6 sur 0,2. On trouve l'énergie 32 ohms. Et pour I2 égale 0,5 ampères, UM égale 6,5 volts. Donc, ça nous donne RH égale bien sûr UG moins UM sur I2. Donc ça c'est UM1 et ça c'est UM2. Voilà. Donc ça nous donne 12 moins 6,5 sur 0,5. On trouve 11 ohms. Voilà. Donc, on a bien sûr l'exercice interne. Voilà. Donc, on a les questions détaillées. Exercice type devoir. Quand on a des questions, on peut vous contacter à l'Office de l'Éducation.